De source de lumière. C'est une chèvre. C'est comme sur le bouclier en fait. Oh, jeune homme au cœur vaillant. Toi, l'un des quatre esprits de la lumière, que les déesses ont désigné pour apporter la lumière en Hyrule. Cette créature que tu as terrassée est un agent du crépuscule, venu dérober la lumière dont nous sommes les gardiens. Déjà, mes compagnons en Hyrule ont vu leur lumière dérobée par ces villes créatures des ombres. Les terres qui protégeaient sont enveloppées de sombres nuages et transformées en un monde des ombres. À propos de l'avant-dernier temple que j'avais fait à Madère, on me demandait à réfléchir. En fait, j'étais en fait à l'avant-dernier temple. Si le mal reste inopposé, ce n'est point Hyrule, mais le monde de la lumière tout entier qui tombera. Mais quoi ensuite? Eh, mais j'étais en train de lire en plus, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Le seul espoir de sauver le monde de l'avidité du roi des ombres et de reprendre les lumières dont nous avons été dépouillés. Pour cela, les trois esprits étouffés par le monde des ombres doivent être ravivés. Un seul être a le pouvoir de mener à bien cette mission. Toi, tu n'es pas encore conscient de l'étendue des pouvoirs que tu possèdes. Ceux qui ont été touchés par le monde des ombres perdent à jamais jusqu'à leur nature. Mais si tu allais dans la forêt de Firon, là où tu fus changé en loup, si tu ravivais la lumière de l'esprit qui réside, alors le pouvoir de cet esprit de la lumière serait certainement de ramener à ta forme originelle. Bon d'accord, c'est très joli tout ça. Pourquoi tant de discussions? C'est pas tout, mais... faudrait que je me grouille. Hey, regarde, comme tu peux le voir, la forêt fiévreuse que tu connaissais fait maintenant partie du monde des ombres. Il se peut que tu ne puisses pas revenir. Je veux quand même y aller. Forêt de Firon, dans le crépuscule. Qu'est-ce que les gens de ton monde utilisent comme arme? Oula! Tu crois vraiment que ça aurait fait quelconque sur la créature que tu as affrontée? Oh, je crois que je vais me passer de ces trucs, mais je te les mets de côté, ne t'inquiète pas. Enfin, une promesse, je vais te faire confiance et t'aider. J'ai eu certains objets que je désire récupérer et tu vas m'aider à les retrouver. Qu'est-ce que c'est? Je te dis rien pour le moment, mais ce sera facile, promis. Ah ouais, oublie ça, écoute, tu entends ces lamentations, c'est la voix de l'esprit qui s'est fait voler sa lumière.
Tu rêves de mettre ça à la sorcière. Tu ne crois pas? Jonas pensait que ce globe viendra de ton monde sans sa lumière. Allez, en route! Ok. Mon Dieu! Maintenant, ils sont trois. On est encore fous en sortie. L'imbécile nous prête pour des pigeons. Et ce sont eux qui nous font perdre des plumes. C'est du menu fretin, tout ça. Je n'ai pas m'en occuper à chaque fois. T'as rien de sortir tout seul, non? Allez, débarrassons ces affreux. A plus. Ah, mais me laisse pas tout seul, puis tout comme ça. Waouh. On va faire ça à chaque fois. Tu peux faire un peu semblant de m'aider. Mais quel poop! Bouge-toi un peu. Tu vois pas que t'es écouté, ils en restent plus qu'un debout. Ils poussent la chansonnette pour amener les autres à la vie. Ouais, je vois ma côte mais alors fais ce que je te dis compris. La tiens bien foncé, je t'ai mis un cercle d'ombre autour de nous. Emprisonne tous ces affreux dedans et relâche le bouton. C'est excellent. Oh, il y a pas si bien. Sois prudent, cette forêt n'est plus la même. Cet endroit fut absorbé par les noirs nuages du crépuscule. Ceux qui vivent dans la lumière qui s'y désincarnent et errants. Bien y erre. Seuls y vivent les êtres des ombres maîtres de la magie. Je suis un esprit de la lumière. Oh, notre animal aux yeux saphirs. Reprends la lumière qui m'a été dérobée par ces créatures des ombres. Place-la dans ce calice. Vous obtenez le calice de lumière. Ce précieux bijou sert à réunir les perles de lumière. Remplissez le calice avec les perles de lumière pour bannir le crépuscule de ces lieux et les ramener dans la lumière. Vous avez sens pour percevoir les insectes des ombres qui ont dévoré les perles de lumière. Dans le crépuscule, le monde des ombres des insectes, à l'instar des humains, sont invisibles à l'œil nu. J'ai puisé dans mes dernières forces pour te révéler en quel lieu se trouvent les restes parmi de ma lumière. Cherche les insectes des ombres, ils sont l'incarnation de la magie qui s'est emparé des fragments de ma lumière. Ça marche!